Bixent Lizarazu, son fils Ximista, se confie sur sa relation avec son père. Dans la famille Lizarazu, le sport est une passion de père en fils. Bixent Lizarazu, ancien membre de l'équipe de France, n'a jamais caché qu'il était accro au sport, au point de souffrir de bigorexie. Mais son fils Ximista, lui, préfère s'illustrer loin des terrains. Il a lancé une gamme de t-shirts destinés aux supporters, afin de leur permettre d'exprimer leur joie à la manière des joueurs en relevant leur haut sur leur visage. Un joli projet qu'il a mené à bien en solo, du haut de ses 23 ans. Dans les colonnes du Parisien, il affirme en effet ne pas avoir reçu d'aide de son père. Car si les deux hommes sont bien entendu proches, le jeune entrepreneur préfère conserver son indépendance. Comme je vis à l'étranger depuis longtemps, j'apprends les choses par moi-même. Son papa suit cependant sa carrière de loin, et selon Ximista, il trouve ça cool. Les deux hommes ne vivent peut-être pas dans le même pays, mais leur complicité est toujours très présente, et ils sont réciproquement fiers l'un de l'autre. Ils ont d'ailleurs un point commun important, un véritable engagement pour la planète, raison pour laquelle le fils n'utilise que du coton organique pour ses créations. En revanche, et sans surprise, ils sont souvent comparés l'un à l'autre. En particulier côté carrure, puisque le jeune homme n'hésite pas à dévoiler ses abdos impressionnants lorsqu'il fait la promotion de ses t-shirts. Mais Ximista se défend de vouloir faire de la concurrence à son père, ce n'est pas un concours d'abdos, affirme-t-il.